Alors, messieurs, dames, on va enchaîner le Jamet. Ça va quoi? Jamet de bouche, messieurs, dames. Super, merci, ça, merci. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Jamais. Merci. Merci beaucoup. Juste, on est dans la merde, là. Parce que le môme, il veut venir, il veut tout balancer devant tout le monde. Oh non, jamais. On l'a dit, j'ai rien à foutre, tu vas assumer devant tout le monde maintenant. Arrête, c'est pas le moment, ça. Putain. Monsieur veut faire l'intéressant. Qu'est-ce que tu fais là? T'as l'air de t'énerver. J'ai rien à foutre, tu balances tout. On l'a dit, tu balances tout. Excusez-nous, on est obligé de vous confier quelque chose, ça va sortir dans la presse. Arrête. On est de la merde. Bon, alors bon, bah vas-y, alors on le dit. Bon, voilà. Il y a 2 ans, avec Jamel, on était au Marrakech du Rire. Et c'est vrai qu'après, le soir et tout, on s'est fait un délire, une sorte de very bad trip, quoi, voilà, tu vois. Mais c'est lui, mais c'est lui, il a commencé à me caresser. Moi, je disais non au début. C'est vrai qu'il m'a dit non. Je voulais pas. Et bon, après, voilà. Voilà, bon, après, j'avais bu un petit chanon, c'est vrai. Voilà. Après, j'étais à jeun. J'étais à jeun, on s'est retrouvés en Espagne. Et on a fait, on y va direct, on a fait une fécondation in vitro. Voilà. On a fait des trucs chelous, vous. Non, mais c'est lui, Et on avait dans une éprouvette. On a éprouvé. On a mélangé et on s'y attendait pas. Et il y a quelque chose qui est venu à l'éprouviste, tu vois. Voilà. Un être qui est né de ça. Donc on a un enfant avec Jamel. Ah, mais ça doit être dégueulasse. Non. Tu respectes notre gosse. Donc c'est vrai que maintenant, il a 24 ans. Ouais, et c'est moi le père. Non. C'est moi le père, on en a déjà parlé. Non. Arrête! C'est toi la mère, toi t'es non, la mère. Je suis pas la mère. C'est toi, t'as vu les 1 ce que t'as. C'est pas la mère. Ah bah voilà. Voilà. On vous présente notre fils, Wesley, monsieur. Sur la tête de ma mère. Putain. Mais vous en avez pas marre de vous embrouiller là encore avec ces trucs de merde là, non? Adem, ça commence à m'énerver moi ces trucs là. Ça veut dire quoi ça? C'est pareil pour toi aussi, hein. C'est vrai qu'il y a des airs, hein. Non, ça commence à être chiant. Vous comptez l'assumer un jour? Bah, on compte l'assumer, mais c'est... Demande à ta mère. Arrête de dire que je suis la mère. Je t'ai dit que je suis le père. T'as des ins. Et alors, j'ai pas de lait. Ouais, mais c'est vrai, t'as des ins quand même. Oui, d'accord. Et la pension alimentaire, elle est où la pension alimentaire? 24 ans que tu m'as rien payé. Dis-lui, Wesley. Ouais, c'est vrai, sur la tête de ma mère, par contre, d'ailleurs laquelle, je sais pas, mais sur la tête de ma mère, au bout d'un moment, c'est qui va en profiter aussi, ça? Moi, de toute façon, vous, là, la raguée, moi. Oh là, j'en ai rien à foutre sur la tête de ma mère. Il va falloir que ça se règle, ces choses-là. Euro Disney, j'ai jamais été à Euro Disney. Euro Disney, ça veut dire quoi? Les bonbons, j'ai jamais eu de bonbons. Mais parce que c'est ta mère, c'est une crevarde. Ben, je sais très bien, mais ça me regarde pas, c'est votre truc à vous, moi, ça. Maintenant, assume ta maternité et j'assume ma paternité. Voilà. Bon, allez, on va bien s'occuper de toi, Wesley. On t'aime. Comme ça va nous éviter... Comme ça, on va éviter de faire SOS. Vous êtes témoin, tout le monde. Ils ont dit qu'ils allaient assumer. Voilà, la radio, vous allez assumer. D'ailleurs, on va passer dans SOS, ma famille a besoin d'aide. Pascal a vraiment besoin d'aide. Si vous pouvez l'aider, faites-moi du bruit, messieurs, pour monsieur Wesley. Notre enfant. Attends, faut que j'arrête aussi avec ce réflexe de merde, là. J'ai toujours eu ce réflexe, là, je sais pas pourquoi. Parle vraiment comme toi, hein. C'est un truc de ouf. Il parle comme lui, voilà, on est bien, hein. Quand il est sorti du ventre de sa mère, ça a frappé, toi. Oh, mais même moi, déjà moi-même, je me suis vu, j'ai dit, « Oh, si jamais, le gars, là !» C'est qui celui-là, là? On va accueillir le prochain stand-upper en famille. Voilà. Allez, viens, tonton. Viens, tonton. Vas-y, viens. Vas-y, Marraine ou parrain, du coup, je sais plus trop. C'est bon. Elle est belle, la France d'aujourd'hui, les gars. On représente la France, on est beau, là. Là, on est beau, là. OK. On a qu'à le laisser lui faire. Tu le fais, Wesley? Ah, ouais, c'est bon. Et comme ça, vous m'emmenez pas à Disneyland après, c'est bon? Avec grand plaisir. Alors, vas-y, je me mets là, ça comme ça. Tu fais comme papa et maman. Alors, attends, je vais accueillir le prochain, donc, stand-upper. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jamel Caïbou. Oh oui! Merci, Wesley. Allez, viens, on y va, la famille. Voilà. Faites-moi du bruit pour monsieur Jamel Caïbou, messieurs dames! Allez, on rentre à la maison!